Rebonsoir, rebonsoir frères et sœurs, de nouveau sur TV et Radio de Vie. Et euh, que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit au milieu de son peuple. Bonsoir, bonsoir Joël. Bonsoir. Comment vas-tu Très bien. Très bien également. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, dites-moi un peu. Donc, frères et sœurs, vous savez que le projet de la Bible avance. Et euh, nous avons beaucoup de personnes qui nous appellent depuis euh, leur ville, leur pays. Et pour nous demander un peu comment les choses vont s'organiser, comment les choses sont organisées, comment la distribution de cette Bible sera faite et quand est-ce qu'elle va sortir. Alors laissez-moi vous dire que cette Bible sera, n'est-ce pas, éditée, donc imprimée, éditée pour le 1er décembre 2014, donc de cette année. Et donc à partir du 1er décembre, nous aurons déjà les 10 000, hein, nous aurons les 10 000 exemplaires de la Bible de Yeshua, la Bible de Jésus-Christ. Alors maintenant, pour la distribution, comment allons-nous nous organiser Est-ce qu'il faut vous, vous les envoyer chez vous Ça va bien sûr être très difficile. Et, euh, toutefois, nous avons opté pour euh, une conférence, une grande conférence et, euh, sur Paris, afin que ceux qui peuvent venir sur Paris ben, viennent, n'est-ce pas, ce jour-là pour... Euh, Premièrement, adorer le Seigneur, n'est-ce pas, lui rendre des grâces et aussi repartir avec sa BJ, c'est-à-dire la Bible de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous nous sommes organisés, nous avons cherché des locaux ici et là pour pouvoir, n'est-ce pas, accueillir tous ces frères et sœurs qui vont, qui vont venir de partout. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, comment ça s'est passé. En tout cas, bonsoir à tous. Et euh, on a eu à, à chercher un peu les locaux ici et là et le Seigneur nous a fait grâce. Donc on était allé visiter les locaux où on a fait la conférence l'année dernière mm -hmm. et euh, il y a deux ans, ouais, il y a deux ans, à Espace Venise, donc euh, à Grolet, et on a eu à discuter avec un des responsables qui nous a, je pense qu'il est chrétien aussi, je crois. Hein. Il est euh, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, aménien, ouais. parce que il est caldéen. Voilà, caldéen. Ouais. Parce qu'il nous a dit donc, vu que c'est pour, pour la Bible, c'est pour le Seigneur, je vous, euh, il nous a fait euh, un bon prix. Mm -hmm. Et donc, on a pu réserver déjà la, la salle. Et après, éventuellement, pour les modalités, on va le voir la semaine prochaine pour, euh, voilà, pour mettre tout à plat. Donc, euh, le 19 décembre, le 19 décembre, n'est-ce pas Conférence d'action de grâce et, euh, et euh, euh, autour du nom de Yeshua, bien sûr, hein, donc cette conférence. Et puis euh, euh, autour de cette Bible qui sera bien sûr diffusée et, euh, massivement et distribuée à chaque enfant de Dieu. D'accord euh, Alors, on avait opté au départ pour une Bible par, par famille, mais nous nous sommes rendus compte que ce ne sera pas juste. Et euh, donc, euh, quand le Seigneur a nourri les gens, chacun avait, n'est-ce pas, sa oui, part. Donc, euh, chacun aura bien sûr sa Bible. La... Ah, <laughs> <à> la... <laughs> pour éviter effectivement euh, de. Des disputes, tout ça à la maison. Et, et donc, voilà, donc chacun aura sa Bible et il euh, n'y a pas de souci. Mais, mais cette salle, euh, euh, c'est la même salle, mes amis, euh, on a loué la même salle que celle euh, qu'on a euh, utilisée pour, n'est-ce pas, la veillée d'action de grâce du 21 décembre 2012. Parce que les autres salles n'étaient pas, n'est-ce pas, euh, étaient euh, très, très, euh, très chères. On ne veut pas dépenser des millions pour l'allocation d'une salle, des salles. Voilà, donc, euh, alors, euh, et, euh, donc on sera, on vous donnera toutes les informations, bien sûr, euh, sur le net. Et euh, voilà, donc ça sera une nuit de prière la, le vendredi 19 décembre de cette année. Donc euh, le vendredi 19 décembre 2014 et euh, on sera à Grolet, donc euh, vers Sarcelles, hein, dans le nord de Paris et euh, ce sera une nuit n'est-ce pas euh, euh, de d'action de grâce et euh, ça va être euh, la salle sera ouverte à partir de midi déjà parce que je sais que beaucoup vont venir euh, plutôt plutôt que, que ça encore donc la salle sera disponible donc sera ouverte dès midi donc euh, voilà c'est là qu'on va commencer à installer un peu le matériel tout ça la sono et, euh, et puis euh, à partir de 18h30 19h la prière va commencer. Le programme va commencer et euh, on sera là-bas jusqu'à au moins six heures, hein, jusqu'au lendemain 6 heures du matin, euh, à 6 heures. Donc euh, voilà. Et euh, alors vous, on a voulu faire les choses à l'avance afin que vous vous organisiez. Afin que vous ayez le temps de vous organiser, vous qui venez, euh, vous qui viendrez notamment des États-Unis, du Canada, de la Chine, de la Hollande, enfin de, de des îles, n'est-ce hein, pas Madagascar et euh, de la Réunion et euh, la Guyane, les États-Unis, euh, euh, voilà, d'Afrique, d'Asie, voilà, des îles, hein, euh, voilà. Donc euh, et Martinique, Guadeloupe, notamment euh, l'île de Saint-Martin. Euh, toutes les îles, parce qu'on ne vous oublie pas. Le monde entier, les gens qui viendront de, des nations. Voilà. Donc, on a voulu vous annoncer cela. Donc, nous organiser à l'avance plutôt, afin que vous ayez le temps de vous organiser, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et euh, voilà. Donc, le 19 décembre, à partir de, n'est-ce pas, 18h30, le programme va démarrer. Mais toutefois, ceux qui veulent venir plus tôt, la salle sera ouverte à partir de midi. Voilà, donc euh, prévoyez hein, donc, euh, quelque chose à manger. Hein, donc, euh, et euh, je ne sais pas comment nous allons nous organiser parce que euh, il y aura euh, 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 voilà, beaucoup beaucoup de monde. Et c'est une salle, Joël, qui peut contenir combien de personnes Alors, La salle peut contenir à peu près entre 2000 et 3000 personnes. Entre 2000 et, en plus, et 3000. Ils vont faire des travaux, donc euh, juillet, euh, juin, juillet, septembre, août, septembre. Ils vont faire des travaux. Et euh, donc la salle sera un peu plus grande qu'il y a eu à deux ans. Wow. Voilà, donc, ils vont ouais. l'agrandir. Ils vont l'agrandir. C'est vraiment voilà. ça. uniquement pour nous, j'ai l'impression. <laughs> juste pour euh, pouvoir accueillir les frères et sœurs. Voilà. c'est pas pour une église, hein. attention. Voilà. Et, euh, voilà. Donc, n'allez pas dire, ça y est, il repart encore dans les églises de, de bâtiments c'est pas ça. Euh, c'est juste pour une conférence, une rencontre, n'est-ce pas, euh, des et de, 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 de frères et sœurs qui viendront des nations pour euh, repartir avec leur Bible. Et euh, voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Amen. Vous avez autre chose à dire? On mettra des bus à la disposition des frères hein, euh, à partir de la gare de Sarcelles, la, la, la gare de Grolet, n'est-ce pas et, euh, et puis euh, voilà, donc ces deux gares, je crois, Grolet et Sarcelles. Il y aura des bus à partir de quelle heure On va donner tous les, tous les détails après. Tous les détails après, ça. Sera... Voilà. Le temps donc, qu parfait, parfait. Que Dieu soit béni, frères et Amen. sœurs. En tout cas, mon cœur est dans la joie. Les choses se mettent en place, les choses avancent. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Et pour votre information, par rapport à ce projet de la révision de la Bible, par rapport à ce projet, eh bien, nous avons à ce jour à 50 54 000 euros. Donc euh, voilà. Et euh, quelqu'un deux personnes ont envoyé près de 1 900 quelques euros aujourd'hui. Donc euh, nous avons en tout 54 000 euros. Donc c'est à dire il nous manque juste 41 000 euros. Hein? Donc et ça, on les aura <laughs> avant la fin de euh, voilà de, 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 de cette année. Donc avant la fin avant la fin avant fin de, euh, septembre. Voilà, donc je le crois. Et puis, euh, alors, il y a des gens qui sont tellement jaloux, très, tellement jaloux, qui se disent ça y est, il fait un appel de fond. Écoutez, écoutez, eh, hein, si vous n'avez pas de ministère, allez chercher du travail. Eh, si vous n'êtes pas appelé, allez vous inscrire au Pôle emploi. Et si vous travaillez, eh occupez-vous de vos maris, de vos femmes, au lieu d'appeler les gens pour dire que oui, il fait l'appel de fond. Vous êtes vraiment jaloux et vous n'avez que ça à faire. Et c'est de la distraction, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur vos niaiseries, vos, 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 vos histoires, vos gamineries, parce que le temps est passé, Dieu vous a disqualifié, vous avez été mis de côté, et Dieu a choisi d'autres peuples pour faire avancer son œuvre. Voilà, donc je crois que et euh, vos, vos coups de fil dans les coulisses, tout ça là, ne peuvent en aucun cas nous faire trembler. Au contraire, vous allez trembler parce que vous êtes dans le péché, dans la compromission, au nom de Yeshua. Voilà, donc quand Dieu donne une vision, ben, il faut l'exposer aux frères et sœurs, et les vrais enfants du Seigneur soutiennent dans la prière, n'est-ce pas Et sans la dîme, n'est-ce pas Et les choses sont faites proprement. Voilà. Donc, euh, quand Moïse a reçu une vision pour construire le tabernacle, il a exposé la vision aux frères et sœurs, et les, les, les frères et sœurs ont soutenu la vision que le Seigneur a donnée. D'accord Donc, euh, et quand Paul allait d'église en église pour exposer également les besoins qu'il avait par rapport à la mission, par rapport à l'œuvre, les frères et sœurs soutenaient sans la dîme, volontairement. Je crois que c'est de la jalousie, tout simplement. Et euh, au lieu de parler, faites l'œuvre qu'on voit aussi, l'œuvre que vous faites. Voilà. Parce que nous sommes sur le Mont Carmel. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Que Dieu soit béni, frère. La caravane à, 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 les chiens aboient. La caravane hein, fait son, fait son fait sa route, hein, donc son chemin. Et euh, la caravane passe. Donc c'est aussi simple que ça. Que Dieu soit béni. Et, euh, et puis il y en a qui vont dire Non, nous avons quitté la Mais vous allez quitter quelle ANJC Moi, je ne vous parle pas de la les gens sont autonomes depuis 25 mois. La vidéo est sur Internet depuis 25 mois, hein euh... 25 mois sinon plus. Sinon plus. Mm -hmm. Donc et on va encore appeler les gens pour dire je quitte la mais les gens sont encore au niveau de parler de NGC On a même... moi je, parle, je ne parle pas de l'ANJC. Les gens sont autonomes et Chora tout est un homme autonome. <laughs> C'est aussi simple que ça. La vidéo est sur YouTube où les gens étaient là ce jour-là, le 21 décembre, le 21 mars 2012. Les gens ont été, n'est-ce pas Ils ont reçu leur autonomie. Il y en a qui ont pleuré hein, pour remercier le Seigneur. Maintenant, on va quitter encore quelle NGC. Alors, il faut arrêter de tromper les gens et euh, voilà. Donc, l'œuvre se fait. Les chrétiens sont déjà éclairés. Les gens ont vu clair. Fini la distraction. Il faut avancer avec le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour des frères, des frères comme vous, qui ont saisi le message et qui avancent avec le Seigneur. J'ai appris qu'il y a un voleur ici à Paris, qui a volé ici, qui va faire un séminaire dans une maison à Bruxelles, en Katimini. Nous allons le dénoncer à Bruxelles, hein, ce monsieur, ce voleur ici à Paris. Vous savez ce que, qui c'est? Et on va le dénoncer. Et ceux qui sont à Bruxelles, qui encouragent les voleurs qui sont dans leur maison pour faire leur business, on va aussi les dénoncer ouvertement, non Yeshua? N'est-ce pas, Trésor? On dénoncera tous ceux qui, qui marchent contrairement à la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas alignés derrière le message du temps, la gratuité de l'évangile, le fait de dénoncer la dîme, le fait de dénoncer les photos des pasteurs ici et là, on va les dénoncer ouvertement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, vous savez, c est, c est, on n'a pas peur de qui que ce soit et on va poursuivre ces gens et les dénoncer parce que les chrétiens doivent maintenant être libres, libres de servir le Seigneur. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Salomon Carmel à euh, tantôt, comme disent les Belges, donc l'émission reprend dans cinq minutes. Non, même pas. Donc euh, dans trois minutes, voilà, même pas. Voilà, que Dieu soit béni. À tout à l'heure. Merci.